On va aller au casino tous ensemble. Alors, on va y jouer par exemple au craps. Virginie, on va commencer ensemble. Dany, est-ce que vous pouvez faire passer, s'il vous plaît, les dés à Virginie? Nous allons également jouer à la roulette. Je vais vous remettre le porte-bonheur un instant, mais attention, Dany, il y a une chose à faire. Je vais simplement le poser sur la table. Vous mettez votre main dessus, vous ne touchez absolument plus à rien. Bien, Virginie, ce qu'on va faire, c'est que vous allez poser les dés sur la table et vous allez les tourner pour faire un numéro. Par exemple, allez-y, n'importe quoi. Je vous laisse regarder de la manière la plus discrète possible. Vous y êtes? Oui. Et vous allez additionner mentalement simplement la valeur des deux dés. En fait, les résultats peuvent aller de 2 à 12. Regardez-moi dans les yeux. Ça peut être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 8, c'est juste? Oui. Oui, un 3 et un 5? Oui. Faites-moi voir. Oui. 3 et 5, oui, c'est ça. Oh. Bon. Ah, il est énervant. Ça, c'est pour le craps. Il est énervant. Jérôme, vous voulez essayer, prenez-le, vous mélangez un tout petit peu, s'il vous plaît. Attends, et pendant que vous mélangez, surtout, vous cachez bien. Mais Dany, ce qu'on va faire, c'est que vous allez imaginer que vous êtes au casino, vous allez au jeu de la roulette. Vous avez tout perdu. Il ne vous reste plus qu'un seul jeton, celui-là. Vous allez vous approcher de la roulette, il y a des numéros de 0 à 36. Vous allez poser le jeton sur un numéro qui est important pour vous, un numéro qui peut vous sortir de tout. Stop. Ça y est, ouvrez les yeux, dites-nous le numéro sur lequel vous avez posé. 26. 26. Ça correspond à quelque chose de particulier pour vous, 26? C'est un chiffre que... Oui. Oui. Moi, j'ai un... Parce que 26, pour moi, c'est mon nom porte-bonheur. C'est le numéro porte-bonheur de Dany aussi, le 26. Ah oui, c'est vrai, ouais. Vous pouvez prendre le jeton. Regardez, il y a un trèfle à quatre feuilles, mais derrière, il y a quelque chose d'écrit, gravé. Oh, Dieu. Purée de pommes de terre. Le 26, précisément. Jérôme, c'est caché? Vous avez vu les deux chiffres? Oui. Je regarde, là. Oui, regardez. Moi, je regarde pas. Oui, très bien. C'est bon? Parfait. C'est bon. Vous additionnez, s'il vous plaît? Oui, ça y est. Comptez de 2 à 12? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez commencé à sourire à partir du 5. Est-ce qu'il y aurait un 5 peut-être dans les... Oh, peut-être même 2 pour 10, c'est juste? Oui, c'est juste. Ah, oui, c'est juste, génial. Parfait, super. Bon. C'est incroyable. Il y a un autre jeu qui est très bon au casino, c'est le poker. Possible. Nous allons y jouer tous les trois. J'ai un jeu de cartes ici, vous êtes un petit peu loin. De toute façon, on fait tout ça dans l'esprit, alors on va commencer ensemble. On va imaginer un jeu de cartes, vous attrapez? Bien, vous allez prendre les cartes, vous allez mettre d'un côté les cartes noires, d'un côté les cartes rouges. Okay. Je vous laisse faire. Voilà. Parfait. Et vous allez me jeter soit les cartes noires, soit les cartes rouges. Allez-y. Hop, qu'est-ce que c'est? Les rouges. Les rouges, d'accord. Moi, je vais faire le même message ici. Je vais prendre cœur et carreau. D'accord, cœur et carreau. Je vais vous jeter des cartes, lesquelles? Cœur ou carreau? Ce que vous voulez, de toute façon, je vais les attraper. Oui, oui, bien sûr. Alors, je vous jette quoi? Carreau. Je vous jette les carreaux. S'il vous plaît. Sûr? Oui. Ok, carreaux, parfait, très bien. Donc vous avez gardé les noirs, vous avez gardé les carreaux. Moi ici, il me reste donc les cœurs. Les cœurs, oui. J'étale ici de l'as, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Le valet, dame, roi, je les prends, je les jette parce que tout le monde choisit toujours ces cartes-là. Je prends les cartes, je les mélange. Je vous les tends. Mentalement, vous en prenez une. Regardez la carte que vous avez choisie. Dites-moi ce que vous imaginez là maintenant. Qu'est-ce que vous avez choisi? Ce que j'ai choisi oui, là. Moi, il y a un jeu de cartes ici qui existe réellement. Là, vous avez choisi une carte, c'est quoi? C'est l'as de cœur, 2, 3, 4. L'as. L'as. Vous avez choisi l'as parce que j'ai dit as ou simplement parce que c'est. Non, j'avais choisi l'as. Vous avez choisi l'as avant que je le dise? Oui. Est-ce que vous voulez changer d'avis? Je sais que vous ne changerez pas d'avis, mais je veux pas qu'à la fin vous me reprochiez non, de ne pas vous. Je préfère garder cet as. L'as de cœur, d'accord. Regardez juste dans ce jeu ici. Moi, je vais prendre les cartes comme ça tout doucement. Il y a une carte qui est un peu différente des autres. Vous allez la voir, elle est là parce qu'elle est rouge. Je vais te frapper, tu sais que je vais te frapper. C'est pas possible. Cette carte est rouge et cette carte, c'est la C'est pas possible. C'est ma carte fétiche. On a fait ça, c'est fantastique à faire. Harry, regarde ce qui se passe ici, mais c'est ma carte fétiche parce que, en fait, l'as de cœur, c'est la seule carte qui est rouge, mais c'est même la seule carte qui est imprimée dans le jeu parce que les autres cartes n'ont pas d'importance.